Ah yeah. De retour sur les ondes du 102,3 FM. Black Market à l'antenne. J'ai changé de vibe complètement. J'ai débuté l'émission avec du hip-hop. SDM, Body d'Allemand. J'ai poursuivi avec Focus. Je vous ai annoncé l'arrivée de mon invité très spécial qui est venu nous rendre visite en studio. You already know who it is. Ouh. Très content de la recevoir en studio. Elle s'appelle Serenity. Serenity. Yo, Medea. You know how the thing go. Medea, me just, you know, I cool out here. Cool out here, not the cool. At Radio Centreville, 102.3 FM. Y'all tune in, hit it up. You know what it is. We out here, man. We out here. Est-ce que ça te dérange si je parle français avec toi? Je vais essayer de m'accommoder. Là, je m'habitue un petit peu avec ton anglais et tout. Ouais. Mais ça te dérange? Non, ça ne me dérange pas. It's all good. It's all good. Wow! It's all love. Okay. Je suis content de te recevoir en studio parce que ça fait longtemps que je te suis. T'es venu nous rendre visite en studio un petit peu avant la pandémie. Écoute, ça fait longtemps que t'es venu en studio. Ouais. Je vois même petites anecdotes comme ça. Je vois même des photos sur Google Photos qui me rappellent des souvenirs de Serenity il y a 7 ans, il y a 8 ans. Après, je suis comme, oh, c'est vrai, man. Mm-hmm. C'est vrai, Serenity est là. Ouais. Elle rappe depuis longtemps. Il y a eu la période de la pandémie. Mm-hmm. Tout le monde était sur pause, mais je sais que toi, tu n'étais pas sur pause parce que tu étais toujours en train de grind. Il y avait une chanson aussi, en plus, que tu disais, c'était quoi encore? C'était quoi le refrain de la chanson? Always on my... grinding for my blessings. Grinding for my blessings. That's all I'm doing. That's all we all doing. Really and truly. Not pour de vrai, non? Yeah. Chaque jour, on est là. On met les 10 orteils à terre and we're just going. We're grinding for our blessings. We're doing our thing. C'est la seule chose qu'on peut faire. So, what have you been up to? You've been grinding? Yo, I've been out here grinding, doing the real things, living life, enjoying it at the same time. But like you said, we haven't spoken since like pandemic times, right? Mm-hmm. So it's like things were a little tough over at that time. But, you know, we're elevating now. We feel it, you know. We feel that energy, you know, that vibe. I want to know, what did you do during that pandemic time? Because a lot of people, some people took time to study. Some people went back to school. Some people invested in crypto. Some people lost money in NFTs. Some people started business. A whole bunch of stuff. Some people started businesses. A lot of people started businesses. No, I got my boy Popsicle right there. He started his own business. He started his own stuff. I remember when he started selling his tickets and being part of the whole promotion teams. And il a commencé petit quand même, puis ça a grossi. Fait que j'ai vu tout le monde a fait quelque chose. How was your journey during the pandemic? So my journey during the pandemic was really writing. J'étais en train d'écrire. I was really making sure that I get my self-expression out, mm-hmm. pour m'exprimer comme il faut. C'était un temps où c'était lockdown, c'était dur, on avait le curfew, alors on était comme, it was a time really d'être creative, to be creative, and really get that vibe out, that energy out, that whatever's, making you feel a type of way out, so that's what I was doing during that time, really and truly. And a few things happened, like my father passed during that time. So, wow. So it was like real things. Yeah, merci. Yeah, so. Puis est-ce que tu penses que l'écriture, puis de focaliser sur la créativité, ton côté créatif, est-ce que ça t'a aidé aussi à passer à travers ce moment-là? 100%. What are you talking about? 100%. 100%. Ouais. Sans doute, là. Come on, man. Stop playing. Sans doute, c'est sûr, parce que c'est la manière de laquelle que j'étais en train de m'exprimer, c'est la manière de laquelle j'étais en train de self-reflection, mm-hmm. M'apprendre aussi, mm-hmm. Tout ça, c'était le moment de 2020 pour, get focused on yourself and really learn about you and learn about life, c'est vraiment ça. Si je peux me permettre. C'était quoi la relation que tu avais avec ton père? Parce que pour certaines personnes, c'est
Moi, je me souviens quand j'ai perdu ma grand-mère, c'était un gros choc. Il y a pour un de mes amis, quand il a perdu son père, c'était un gros choc. J'ai un ami récemment aussi qui a perdu sa cousine. Toi, de ton côté, c'était comment ça s'est passé cet aspect de deuil pour C'était toi? vraiment intéressant parce que lui était au Jamaïque et puis moi j'étais ici. On était sur lockdown, on ne pouvait même pas aller le voir. Wow. C'était un funérail par Zoom. Par Par Zoom. Zoom parce que tout était comme, like, everything was on lock. OK. So you can't even fly out to say, yo, you know what, I have to go. You know what I mean? I have to go to the funeral. Même pas, c'était comme, you know, it was tight. It was tight. C'était Puis vraiment tight. pour toi, à partir de ce moment-là, tu t'as parlé de t'as pas utilisé ces mots-là, mais il y a une partie où est-ce que tu as mentionné, puis je pense que tu as parlé d'introspection, donc Ouais. tu as regardé un petit peu, il y a Self-reflection. self-reflection, puis ça t'a donné quoi comme résultat, ça a amené quoi, est-ce que ça t'a influencé au niveau de ta créativité? Oui, c'est sûr. Et ça m'a influencé. Je voulais quand même être surtout 100% authentiquement moi. Ok. You know what I mean? Like, no holds bars. Like, no, on cache pas là. You know? Like, c'est vraiment un moment que tu es comme, yo, you know what? Yo, oublie ça. Forget that, man. Yo, let me just, you know, let me be myself fully, fully, fully authentic. You know? Not that I wasn't before. But il y avait des aspects où je voulais juste comme, you know, keep low key. Yeah. Mais c'était vraiment comme, non, on joue pas. Yo, respect, parce que pour le vrai, c'est vraiment dope d'avoir d'avoir eu cette réflexion-là, puis d'avoir eu cette d'être arrivé à cette Résolution. conclusion-là. Encore, si vous voulez dire quelque chose. La résolution. Résolution, Si, ouais. si. Écoute, je suis content parce que pour certains artistes, ça prend des dizaines d'années, ça prend des vingtaines d'années pour se dire, you know what, je vais faire qu'est-ce que j'aime, je suis comme ça, et puis je vais partager ma façon, ce que je suis au public authentiquement. Ça prend beaucoup de courage, ça prend beaucoup de travail, puis c'est dommage parce que c'est arrivé à un moment tragique comme celui-ci, mais c'est une étape à surmonter pour être authentique, puis être soi-même, puis s'élever. Ouais. Non, t'as raison. Surtout, it was like a moment of realization, like you said, résolution. You know, you don't want to be held back. Tu vois ce que what can happen, and you realize like, no, this is not the way I want to be. I want to make sure I can be free within myself at least. Si je peux pas être free dehors avec le curfew, definitely. You know what I mean? So it's like, at least within your full self, be authentic. Cette liberté-là, puis cette authenticité-là, au niveau de la créativité, puis au niveau de la musique, ça s'est transmis de quelle manière? Parce que là, au départ, when I first met Serenity, it was mainly hip-hop. Mais plus le temps a avancé, plus les années ont passé, plus tu es devenu à l'aise, plus il y a eu cette authenticité-là, parce que il y a un petit côté dancehall qui a pris le dessus. Il y avait toujours ça en toi. Je l'avais remarqué. On dirait aussi des fois dans les paroles, il y avait quelque chose. Mais est-ce que ça fait partie de ces changements-là? Est-ce que la façon, le fait d'assumer plus le dance hall, Okay, okay. Let's start it off like this. Pour de vrai, j'étais toujours une artiste dancehall. Okay? J'étais toujours une artiste reggae. Ma première chanson était une chanson reggae. Eyes of the Lion. But it's like a, c'est comme un roots rock reggae. T'as compris? Roots Rock Roots Reggae. rock reggae, yeah. Donne-moi un artiste qui fait du Roots Rock Reggae pour Bob mettre. Marley, Bob Marley, Bob Marley. Guys, vous avez compris, pour les millions qui nous écoutent, Roots Rock Reggae Ouais. comme référence. Ok, bon, Bob Marley. OK? Avec ça, dès que je fais le hip-hop aussi, c'est sûr que je peux faire le dancehall. You know? Parce que dancehall, c'est le hip-hop du Jamaïque. Hip-hop is based from dancehall culture. Pour de vrai. OK? So, c'est. Attends, répète ça s'il vous plaît. Hip-hop is based off of dancehall culture. It is. Pour de vrai. OK. OK? Whoosh. Alors, c'est ça.
So when I came in, c'était déjà dedans moi, mais vraiment je voulais donner like to the audience what I felt they wanted to hear. But I wanted to come out like, you know, give them that hip hop because it comes easily. Both the hip hop, the reggae, you know, they both come easily because it's all me. C'est pas comme si je fais comme semblant. You know what I mean? Yeah, there's no play play over here. C'est It's dans le real deals. DNA, Yeah, hein? c'est ça. C'est dans le DNA, comme Kendrick Lamar. I got Yeah. royalty and loyalty inside my DNA. DNA. Okay, yo, quick question. How did you know that we wanted to hear this? Parce que yo, j'entendais les. Parce que il y a le hip-hop, il y a ton hip-hop, comment que je pourrais le qualifier? C'est un hip-hop qui. Il y a beaucoup de boom-bap dedans. Ouais. T'étais dans le hip-hop, t'étais dans le monde du battle aussi à un Oui, certain moment, mais j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose que tu cachais. J'avais quelque chose que. Il y avait un côté de toi qui n'était pas mis à l'avant. Puis c'est pour ça que pour moi, j'associe le dance hall, puis l'arrivée du dance hall, puis la façon que tu es à l'aise avec le dance hall à une transition. Mais dans le fond, comme tu le dis, ta première chanson, c'était du roots rock reggae. So, je te Culture donne, reggae, je te yeah, donne, je te donne. man. À travers ces chansons-là, il y a une chanson pour le vrai que j'adore cette chanson-là, c'est Push Up. Push Up, parle-moi de la chanson Push Up, s'il vous plaît. Push Up is a dance hall tune that was produced by Leon Stone. Big up Leon Stone, the Big up. producer. You know, rest in peace, all of that to sis, you know, recently went through something. Yeah, man. So Push Up was created by myself and Leon Stone. He did the production and I just let it fly. You understand? So I just vibe on the track and I just make it one push up and push back with that. That's how it goes. Ok. C'était juste comme ça. Puis, je vois souvent le nom de Lyon. Est-ce que vous collaborez beaucoup ensemble? Est-ce que c'est. Ouais, on fait beaucoup de chansons. Ben, regarde, pour le moment donné, on a trois chansons. On a le Firebun, on a Push Up, et puis il y a un autre qui va drop bientôt, s'appelle Hump Day. Home Day? Hump Day, Hump Day. Je vais demander à mon collaborateur Pops qu'est-ce que ça veut dire Home Day. Pops, en français, qu'est-ce que ça veut dire Home Day? Home Day. Ok, he's laughing. Ok, je vais aller sur. Y'all Je vais aller sur Wikipédia. Je vais vous donner la. Je vais demander à ChatGPT, ça veut dire quoi Home Day. Et ça va nous donner la vraie version. Et puis, aussi, je suis content de t'avoir en studio parce que. On a parlé beaucoup de dancehall, mais je suis content d'avoir un studio aussi parce que tu as un nouveau single qui est sorti. Call Emily Oui. is out right now on all well. It's on YouTube. Sorry, my bad. It's on YouTube, but it's on Bandcamp as well if you want to purchase it. Support the artist, Yeah, but yeah. YouTube has the video, so I need y'all to check out the video. The video is fire. I got some nice features in it. 514 online mix. Big up yourself, Yes, Natasha Marie. Big up yourself. yeah. So you know what it is, yeah, man. So and that was created by DJ Mystical Flex.